Real Madrid qui perdu 3-1 dans Santiago Bernabéu face à l'équipe Milan AC. Et bien après match football ça, il y a Carlo Ancelotti lui-même qui a fait déclaration dans conférence de presse, il a parlé de inquiétude de Ligue 1 après défaite ça. Nous allons voir ça dans la vidéo, on pas blessé ou à peine rejoindre nous, abonnez, activez cloche notification avec Bladi Infosport. Carlo Ancelotti, monsieur de répondre une question, je te dis 9 goals encaissés sous 3 derniers matchs. Et bien, le répondre pour le dire, nous pas défendre très bien. Équipe là, n'est pas compact, nous devons plus compact, plus organisé. Oui, nous encaissons un pile goal. Ou t'es retiré Valverde et tu as mené à la mi-temps. Est-ce que tu as un problème ou bien c'est un choix tactique? Quand on dit Valverde, il n'est pas à 100%. Il a des problèmes dans Doli. Hier, il était entraîné très bien, mais il était ressenti en douleur dans la première mi-temps et nous t'es décidé pour nous remplacer lui. Est-ce que vous inquiétez quand le répondre pour le dire? Eh bien oui, faut nous inquiéter parce que dans le dernier match, l'équipe là n'a pas montré li à la hauteur, nous marquons solidité, c'est sûr que y a des points nous devons améliorer, nous devons travailler. Tchouaméni qui sifflait dans Santiago Bernabéu, est-ce que ça a affecté émotionnellement, quand on dit sur le plan émotionnel? Non, c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Quand il y a là, faut nous enlever bataille et gagner prochain match que nous étions. Liverpool et Atalanta a venu des matchs difficiles à l'extérieur. Monsieur dit, nous devons concentrer nous sur ce qui passe aujourd'hui. Hein. Nous sommes une équipe qui, justement, va montrer le meilleur de nous-mêmes et nous devons retrouver ça pour nous battre, pour nous capabiliter en vie dans toute compétition que nous ayons. Comment on sortit, monsieur dit, et c'est pas question patient ou non, nous capables sous terrain qui manquait quelque chose dans l'équipe là et nous pas en mesure pour nous montrer une nouvelle version, faut que nous remédier. Nous tio poil très long et nous devons retrouver solidité qui nous joindre exactement. C'est surtout ça qui problème non. Nous et justement encaissé trop goal pour une équipe qui construit sous solidité. Vinicius et Mbappé ensemble, est-ce que ça va un problème? Je dis c'est pas ça qui problème non. Parce que c'est pas ça à comprendre et c'est facilité avec des gens que l'adversaire arrive sous nous, à pas avancer sous nous. C'est ça qui est le problème, non? Joueur à lieu courir moins, je dis c'est une caractéristique de l'équipe, là. C'est pas un problème. Vérité, c'est que je dis, nous pas capables de travailler en équipe de manière efficace. Est-ce que l'étape injuste pour nous remettre à venir en question, je dis, je ne pense pas que l'étape injuste, je pense que c'est normal. Nous tous, nous gagnons responsabilité lorsque nous gagnons. Nous gagnons ensemble et lorsque nous souffrons, nous devons souffrir ensemble. Colère, Madame Valverde, sur les réseaux sociaux. Je dis, Valverde n'est pas au niveau physique et c'est pour ça que moi été remplacé. Est-ce que le groupe lui manque de motivation? Quand le répondre pour dire non, il faut qu'on accepte les critiques et en réalité, nous voulons mieux parce que c'est très difficile pour nous arriver dans la fin de saison comme ça. Nous devons mieux défendre et chercher des solutions sans que nous ne perdions la tête à ça que nous voulons faire et nous voulons changer des bagages dans l'équipe. Nécessité. Pour jouer, monsieur dit, bien sûr, oui, et même j'ai avec tout le monde, nous devons souffrir ensemble. C'est bien que jouer, justement, a souffrir ou bien recevoir des critiques, même j'ai avec moi. Nous-mêmes, nous devons réfléchir ensemble dans la manière que nous devons améliorer version. Nous croyons que l'équipe ça, les poils améliorer. Est-ce que c'est le moment qui est plus compliqué depuis le retour à Madrid, Calodi? Non. Je pense que il y a des moments compliqués, faut qu'on subisse. Mais c'est normal. L'équipe ça, elle connaît un très bon parcours et elle chute très rapide dans le dernier match. Ça fait partie du football, là. Mais c'est aussi une chance que nous gagnons pour nous réagir très rapide. Voilà. C'est comme ça que Carlo Ancelotti lui-même était réagi. Mais là, c'est quelques statistiques qui imposées par 2 buts d'écart à l'extérieur dans la Ligue des Champions contre un club dans 5 grands championnats majeurs européens pour la première fois depuis 23 novembre 2010. Les ça, c'était à Auxerre. Real Madrid, bon côté balle, il considère plus l'âge défaite li à domicile dans la Ligue des Champions depuis le 5 mars 2019 contre Ajax 4-1. Toujours Real Madrid qui a encaissé au moins 3 goals dans 2 matchs consécutifs à domicile dans la compétition officielle pour la première fois depuis mai 2009. Real Madrid a encaissé 13 goals par ancien joueur dans la Champions League. Nous connaissons Alvaro Morata qui inscrit contre Real Madrid jeudi. Vinicius Junior impliqué dans 26 goals dans la Ligue des Champions depuis l'exercice 2022-2023. C'est 17 goals et 9 passes décisives. C'est plus que tout l'autre joueur.
Real Madrid a encaissé au moins un goal dans 7 derniers matchs dans le stade de Bernabéu en Ligue des Champions. C'est plus mauvaise série défensive, eh bien, on va dire Real Madrid à domicile dans la compétition depuis février 2013. Voilà donc, c'est quelques statistiques de un joueur, alors une équipe d'un coup, Real Madrid. Voilà, Real lui-même qui perdit. Alors, on va dire, et un pile problème, un pile critique, un pile parler. Nous déjà qu'on est post-Carlo Ancelotti déjà capable de menacer, surtout après nouvelle défaite. Pas oublier abonner, activer cloche, notification.